Som dziękuję. President, please be seated. Mr. Co-Prosecutor, you may now resume your presentation. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. On a vu au début de l'audience la déclaration attribuée à Nuncia dans le livre de Tet Sambat sur le caractère forcé des mariages. Ce caractère forcé des mariages, en général, peut également se déduire des propos de Yang Sari, qui ont été tenus juste après le régime, en décembre 1980. Dans une interview, Yang Sari explique qu'à partir de 1979 ou de 1980, certaines libertés ont été rendus aux gens sous le contrôle des Khmer Rouge, notamment le droit de se marier librement ou le droit des familles à vivre ensemble, contrairement à avant. C'est le document E3-681. C'est une déclaration de Yang Sari au New York Times dans un article de Henry Kam, intitulé en anglais Pol Pot's Aid Calls for World Support. Il est daté du 1er décembre 1980. On le trouve à la page en Khmer 00 65 12 46, en français 00 63 06 93 jusque 94, et en anglais 00 1 22 1 94. Je cite, and I quote, le vice-premier ministre a détaillé le nouveau programme embrassé par ses collègues. Monsieur Yang Sari a expliqué que tous les partis politiques seraient désormais admis. Et M. Yang Sari de poursuivre, nous autoriserons la liberté de religion et d'éducation. Les mariages seront libres et les familles pourront vivre ensemble. Et un peu plus loin, l'article continue, il a ajouté, il y aura des coopératives libres, non obligatoires comme avant. They won't be obligatory, et nous instaurerons des collaborations avec des sociétés étrangères. Collaborations with foreign societies. Après tout, nous sommes un pays sous-développé. We are an underdeveloped country. Fin de citation de Yang Sari. End of the Yang Sari. Et l'article quote, se poursuit. Interrogé sur la raison de la mise en œuvre des mesures, de mesures complètement opposées par le gouvernement de Pol Pot lorsqu'il était au pouvoir, une période de 4 ans au cours de laquelle des milliers de Cambodgiens ont péri, assassinés de faim ou de maladie faute de traitement, le vice-premier ministre a répondu. Ouvrez les guillemets. Nous avons fait la révolution. De nombreuses erreurs ont aussi été commises lors des révolutions vietnamiennes et françaises. Beaucoup de bonnes choses et beaucoup d'erreurs. Nous avons essayé. Fermez les guillemets. Invité à dresser la liste des bonnes choses accomplies lors de la révolution, M. Yang Sari a hésité et a demandé à un associé, Chun Chun, ministre de l'économie et des finances, de répondre. To respond. Fin de la citation de ce document E3-681. La question du mariage, en plus de l'accroissement de la population, était spécifiquement importante sous le Kampuchea démocratique, à tel point que les secrétaires de zone devaient faire rapport du nombre de mariages enregistrés chaque mois. C'est du moins ce qui ressort du document suivant, E3-1094. C'est un compte-rendu mensuel de juillet 1978, adressé le 4 août 1978 par le bureau M401.
la zone ouest, si je ne me trompe pas, in the west zone, I believe, à l'attention de l'Ankar, respecté et bien-aimé. Well-respected and well-loved Ankara. Et il y a en toute fin de compte-rendu un tableau. Report, à la page en anglais 0031538383. En français 00593538. Et en Khmer 00143636 17. Ce tableau est intitulé Le nombre des nés et des morts et le mariage. Et indique région 32. Nés, donc personnes nées, 185 personnes. Personnes mortes, 121 personnes. Mariage, 42 couples. Marriages, 42 couples. Il y a un autre document qui a sans doute servi pour établir ce compte-rendu mensuel de juillet 78. Ce document, le document E3/10092. Il s'agit là d'un rapport du bureau N401 à l'Ankar, daté du 16 juillet 1978. Et en réalité, il s'agit d'un des trois rapports envoyés tous les 10 jours à l'Ankar pour le mois de juillet 78. Alors, à la page en anglais 0028-99-24, en français 00-61-1450, en khmer 00-14-35-79, il y a la mention suivante sous le titre « Les conditions de vie de la population ». Je cite « La fondation des familles. On a marié 10 couples dans le district 26 et la région 32. Et dans la région 31 et la région 37, on n'a pas encore eu de compte rendu au sujet de ce problème. » Fin de citation. Je vais en revenir au document E3/1094, ce compte-rendu mensuel, donc de juillet 78, envoyé par le bureau M401 à l'Ankar, parce qu'il met le doigt sur un autre problème dont les témoins et les parties civiles ont assez souvent parlé, c'est celui de suicide de personnes récemment mariées. Cependant, le rapport n'ose pas conclure que la personne dont il est question s'est suicidée précisément en raison du mariage lui-même. Mais voilà ce que dit ce rapport. À la page en anglais 00315373. En français 00593529. Et en khmer 00143609. Ce rapport, dans cette partie, parle de la situation de la défense nationale dans le secteur 32, et en particulier des activités des ennemis de l'intérieur. Et il dit ceci sous le titre « Les actes de suicide par pendaison ». Je cite. Acts of suicide by hanging. And I quote, dans le district 27, in district 27, dans la coopérative de Teng Crouch, un homme appelé Ol vivait autrefois dans une unité itinérante de région. A mobile unit of the region. Après son mariage arrangé par l'Ankar, il fut démobilisé